Les chocobos. Et coucou les arrivants, coucou YouTube. On est toujours sur The Quarry, chapitre 4 du coup. Et j'ai toujours les bonbons Harry Potter avec moi. Comme d'hab pour chaque chapitre en show. Bon, cela c'est que les mauvais. Chaque bon, cheers au sub, j'en mange un. Et on a eu quoi aujourd'hui? On a eu vomi, poisson pourri et moufette pour le moment. Voilà, c'était délicieux. Alors du coup, on est avec Emma qui est arrivée d'ici. Peut-être un truc caché avec elle. Bon, cette fois-ci, on va pas la laisser crever. C'est quoi, Robin? Mon petit cœur. Au même moment, il y a eu le gros boom. Et merci beaucoup, Darkness, pour les 48 mois de soutien. Merci beaucoup. Choisis un chiffre entre 1 et 10 pour le bonbon. Parce que c'est que des mauvais, du coup. On va prier que ce soit pas celui que je veux pas. Ah ouais, il y a le magicien. 5. Elle voulait aimer vraiment le 5. Le 5, c'est le plus choisi, quoi. Ah, c'est les alertes spéciales horreur, elles sont toutes différentes en chaque Horror Show. Tu veux un bonbon, Anna? Tu veux poisson pourri? Voilà le gros bébé. Je sens le poisson pourri. Ah bah ouais, ça pue. Comment avoir une haleine de chacal? Moi, j'ai ces bonbons. Et si vous êtes en colère avec votre conjoint, bah voilà, vous l'embrassez, c'est bon. Oh, c'est vraiment dégueu. Mais tu n'as pas gagné à la loterie. Je regarde parce que comme en fait je reçois pas de messages de Missbot. Lolo a gagné à la loterie tout à l'heure. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez tous où je suis. Je les ai jamais utilisées. Honnêtement, elles sont un peu trop roots pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment réfléchi à où ça allait après. Oh. Oh, sérieux, non. Ok. On va passer à autre chose. Oubliez ça. Ouais. C'est trop dégueu. Et ça, c'est l'abri de rassemblement. C'est un abri où on se rassemble. Merci, Captain. Ok, j'essaie vraiment de rendre ça intéressant, mais parfois il y a rien à ajouter. Tout est dans le nom. Je crois que j'ai tout dit. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple, quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux? Oh, regardez. Conne jusqu'au bout. Et puis on se demande pourquoi j'ai laissé crever. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça?
Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie? Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Ben, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Qu'est-ce qu'on choisit? Prendre la hauteur ou est-ce qu'on va en bas? Vu qu'on est en direct, c'est vous qui choisissez. C'est l'inverse. Allez, salut. Qu'est-ce que tu fais, Luna, là-bas, dans ton coin, t'es puni ou quoi? Lolo vote en bas. Ouais, on n'avait pas tout fait en haut. Bah, vu qu'on voulait la laisser crever. Peut-être qu'en bas, elle meurt forcément. Hein. Peut-être que c'était en haut et continuer de faire ce qu'on voulait, mais... Après, peut-être qu'elle monte, elle finit quand même par monter. Et peut-être que c'est juste la version longue et la version courte. On ne sait pas. Il y a deux votes en bas. Darkness lui dit... Ok, Red est parti se reposer, me semble. J'hésite. Ouh. Hésitation. Ouais, mais on va essayer de la faire survivre quand même. Tu tentes quand même. Merde. On est déjà en plein dedans. C'est un peu tard pour changer de voix. Parce que vous savez quoi? J'avais vraiment hâte de vivre le prochain chapitre de ma vie. C'est vrai, cet été, c'était sympa, mais ce qui m'attend... Non mais sérieux. Je sais que quand je posterai ça, Hackett's Quarry sera plus qu'un lointain souvenir et... Je sais que c'est juste une nuit, qu'il faut profiter à fond de toutes les opportunités et blablabla. Bla bla. Je crois... que je veux pas me contenter de tout ce qui m'entoure, vous voyez. Abby me voit comme... une fille sûre d'elle, mais... En fait... J'essaie désespérément de pas me noyer dans un monde où tout le monde veut être différent. Ouais, moi aussi, c'est mes préférés. Après, Caitlyn, elle est marrante, juste un peu chiante parfois, mais... C'est plutôt marrant, en fait. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis seule de tout l'été. J'aime bien ça. Je suppose que ça confirme ce que je pensais pour Jacob. Je sais qu'il était censé venir me chercher, mais maintenant que je suis seule, ça me plaît bien. Désolée, Jacob. Si tu me regardes, c'est pas contre toi. C'est un moment à moi. Tu m'en veux pas? Non, tu m'en veux pas. Agressive. En fait, non, ça ne va pas. Réfléchis. C'est mieux en tant que souvenir. Agressive, Lolo. Le choix est dur, là. Coucou, Sergine. Coucou, Spike. Réfléchis. Agressive aussi pour Red. En fait, non. Tout va pas bien. Tu m'as planté sur cette île flippante. Je te promets que je vais te faire payer ça. Alors, voyons ça. Réfléchissons. Qu'est-ce que je vais faire? Attacher ses lacets ensemble? Non, c'est trop puéril. Je suis même pas sûre que Jacob sache faire ses lacets tout seul.
pour être totalement honnête. Ça, des laxatifs dans son verre? Je crois que c'est illégal. Allez, faut que je trouve l'inspiration. Je vous demanderai bien de me donner quelques idées en commentaire, mais on sera parti depuis longtemps quand je posterai ça. Je pourrais lui faire des saloperies en caméra cachée. Non, non, ces vidéos ont toujours l'air trop fake. Sérieux, il n'y a vraiment plus rien d'authentique de nos jours. Elle m'énerve, tu vois pourquoi j'ai laissé crever la dernière fois. On doit prendre sur nous pour la maintenir en vie, quoi. Encore chaud. On dirait qu'il y avait quelqu'un récemment. Mettre corbeau sur un arbre perché. Je viens de repenser. Je me suis dit, mais pourquoi il prend pas la boîte d'allumettes? Et qu'elle l'arrange comme l'autre gars avec la carte SD. On s'en fout. Ah, je crois qu'elle est obligée de monter. Ok. On monte ou pas? Parce que je crois qu'il y a peut-être quelque chose là. Non, on est obligé de monter. Ouais, donc c'est la version longue en fait, si on passe par en bas, je crois. Enfin, je crois. Mais je pense que si tu veux tous les objets, t'es obligé de passer par en bas. Bah, tout vérifier, c'est si tu veux le 100% des objets et tout, mais. Je vais devoir grimper avec une main, je crois. J'aime pas beaucoup ce bruit. Ouais, ça peut jouer sur le temps, donc c'est un peu dangereux du coup. Juste pour info, je suis une bête au grimpage d'échelle. Très bien. Voici la luxueuse cabane dans les arbres. Comme vous le voyez. Construite en 1800 je sais plus combien par un aveugle manchot qui a pris soin d'utiliser du bois bien pourri, des clous rouillés et de la bave de bouc de très bonne qualité. Un chef-d'œuvre, classique des Hackettes. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. Mais ça me dit rien. C'est comme ça qu'on l'avait fait crever. Qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un, ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse? Clairement pas de bonne solution. On va fouiller le sac cette fois, on va pas mourir. Et vous savez quoi? Je vais me rhabiller. C'est fini de vous rincer l'œil. En même temps, celle qui met la caméra sur sa poitrine. C'est fini, tu veux me rincer l'œil? C'est toi qui es en train de te... Oh, ça c'est pas mal. Chouette. Ok. Je
crois qu'il y a quelque chose là. Et je ne pas flipper ma race. Ça, je peux te le garantir. Non, t'ouvres pas. Non, t'ouvres pas. Mais elle y va quand même. On va mourir. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Le répulsif à ours, mais c'est pas un ours. J'ai une preuve. Oh putain. Non, pas ça. On est obligé de prendre ce truc. Celle qui crevait en fait. Tu te fais aller là-dessus. Asperger. Parce que courir, à mon avis, il court plus vite que nous. Il y a de l'eau. Parce que bloquer la porte, c'est pas mal, mais il y avait une fenêtre. Mets-toi sur la trappe, sinon il va l'ouvrir. Là. 22h, Dylan. Doucement. Pas de soucis, il va bien. Ah, il a l'air vachement d'aller bien, lui. T'as pas trop mal? Non, non, désolé. J'ai super faim. On va te trouver quelque chose à manger, d'accord? Ouais, d'accord. Alors, si tu veux, il y a le choix. Il y a Kathleen, Ryan. Allez, allez. Tu manges qui tu veux. Putain, je boufferai un cheval. Bah, je sais pas si on pourra te trouver un cheval, mais... Peut-être du muesli? Je pense pas qu'il ait envie de muesli. Burk, je déteste le muesli. La force. On a sauvé la connasse! C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Ouais, on va te ramener Emma pour manger. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Oh, ouais, y en a pas un dans le bureau de Monsieur H? Si. On vous rejoindra. Ça marche! Tu crois que ce qui les a attaqués dans les bois peut... Je sais pas, que ça peut suivre leur odeur? Quoi? J'en sais rien, peut-être. Que ce truc a pris goût au sang et que maintenant il essaie de les traquer. Je crois pas, non. J'ai l'impression que si on reste avec eux, on... Je sais pas si on peut empêcher Nick d'être... Non, je pense vraiment pas que ce qui les a attaqués dans les bois va venir... Ok, ouais. Griffer. Ouais, t'as sûrement raison. Allez, faut qu'on appelle les secours. J'avoue que je sais pas trop. Ça fait bizarre de voir cet endroit si vide. Tu veux dire que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo? Quoi? Non, toi aussi? Une ou deux fois, ouais. Tu vas où, là? J'ai cru que quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. Ouais, je sais pas, Red.
J'ai voulu essayer un autre truc, mais on s'est fait avoir par rapport à la phrase. Je pensais que ça... Je pensais que ça faisait autre chose, donc c'est pas ce que je voulais faire. Je crois faire. Pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. On n'est pas sûr de ça. Non, c'est vrai, Kathleen l'a dit. Tout ce que je dis, c'est qu'on n'est pas des professionnels, tu vois. On n'en sait rien, il a peut-être la rage ou un truc comme ça. T'es un optimiste, dis donc. J'essaie juste d'être réaliste. Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler ? Monsieur H ? Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours ? Qui appelle ça police secours ? J'en sais rien, Enfin bref, ouais. Mais comment on... Je demande quoi ? La police ? Une ambulance ? Tu crois qu'il faut demander clairement une ambulance ? Ou faut dire un truc du genre « à l'aide, à l'aide ». En gros, ils vont dire « Quelle est la raison de votre appel ?» Moi, je réponds « À l'aide ?» Au secours, mon ami a été attaqué par un ours, ou peut-être autre chose, mais un animal avec des dents. On sait pas trop combien il y en a en ce moment, ou ce qu'ils sont capables de faire, donc il y a moyen qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque. Alors si vous pouviez nous envoyer plein d'ambulances, ça nous rassurerait. Ouais, ouais, un truc du style. La SPA. Ok. Appelle la SPA. Dis leur qu'il y a un ours-garou. Police de Northkill. Qu'est-ce qu'il y a ? Mort. C'est chelou, ça. La ligne est coupée. Parfois, ça arrive. Pile au moment où on essaie d'appeler les flics. C'est une coïncidence. T'as essayé, le truc pour accrocher ? Quoi ? Ça. Qu'est-ce que tu fous ? J'en sais rien, c'est ce qu'ils font dans les films quand la ligne est coupée. Ils appuient sur ce truc, là. On n'est pas dans un film. Okay, non, c'est un jeu vidéo. Alors, comment tu le sais ? C'est peut-être justement ce qu'ils veulent te faire croire. Bon, alors ce téléphone marche pas. Personne ne capte. Il y a un autre téléphone fixe quelque part dans le camp ? Pas exactement, mais... Quoi ? Il y a du vieux matos dans le local ah radio. Ah oui, le local radio. Là où tu fais les annonces ? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais, et où je faisais les annonces sur la sono. Bref, il y a des vieux appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. J'irai le reposer quand on sera revenu et que les secours seront en route. D'accord, mais fais gaffe quand même. Ouais, tiens, pas sur l'un des notes. Pas. Ok. C'est sûrement un orage. Quel orage, Ryan ? C'est un orage. Bon. Peut-être que c'est les ours. Ah, les ours, ils coupent le courant. Ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours ? Imaginons juste une minute. Si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, c'est et des, si ces des ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même. Pas faux. Merci. Faut pas la question genre les ours, putain. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. Ils doivent flipper. Ouais, ok, ouais. Allons-y. Bon, on devrait peut-être le laisser à Kathleen. Il fait la danse du flingue, lui. Tu crois vraiment qu'elle en a besoin ? Elle en a autant besoin que nous. Elle reste au chalet. Nous, on va dehors. Tu viens juste de dire qu'il y avait peut-être un truc dangereux au chalet. Quand ? Là, il y a à peine 20 secondes. Ok, c'est vrai. Mais... J'ai dit ça parce que je voulais vraiment le flingue. Donne-lui le flingue, mec, allez.
Le choix. Je pense que Kathleen, elle va en avoir besoin, mais je sais plus. Ouais, on l'avait donné, mais est-ce qu'il avait été utile? Mais après, elle tire mieux que lui, alors théoriquement, il vaut mieux donner à elle. On va quand même donner encore. Ah, d'accord. T'as raison. Allez, on a toujours le mien. Et si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Fais pas de promesses que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la tenir. J'arrive au mauvais moment. Il paraît de se la tenir. Donc ouais, t'arrives au mauvais moment. Du coup, elle va c'est ma faute. Allez, mon vieux. Je... saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir. Mais eux deux aussi, ils sont trop... 22h15, Emma. Oh putain. Alors ça, c'est inédit, hein, parce que nous, elle était morte. Non, prends pas ça. La tyrolienne, moi, je voudrais éviter, hein. On n'a pas le choix, je crois. On sait pas la vision, c'était sur quelle tyrolienne, c'était celle d'avant ou... Ça fait trop de bruit, je pense qu'il faut enrouler doucement. Mais est-ce qu'on a le temps? Mais rapidement, ça risque de casser le truc, j'imagine. Moi aussi j'ai cru qu'elle se faisait griffer, mais elle a pas été touchée. Bah il est mort dans l'eau. Ah ouais, là elle a eu chaud 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 chaud. Elle a eu chaud patate. Oh, bien! Vous revoilà, je suis ravie. Ah! Voyons ça, alors. La force. Est-ce qu'on va tirer une carte? La force peut être surprenante. La conscience de notre puissance. Puisons en nous une énergie dont nous ignorions l'existence, je suppose... Que des forces mystérieuses nous habitent tous. Le Scorpio. Et ce qu'elles nous donnent d'une main, elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre. Le magicien. Carte ou par carte, les gens. Qu'est-ce que vous voulez? L'incroyable, l'invraisemblable, le mystique, le sensationnel, la manipulation perceptive. L'œuvre d'un magicien, vous le voyez, et puis plus. Gare à l'illusion.
Il est là, mais il est plus là. Ne vous trompez pas. Allez, Chocobo. Comme toujours, tout n'est pas visible. On regarde une carte. Et comme toujours, le choix vous appartient. Voudriez-vous peut-être en voir plus? N'hésitez pas à faire un petit F5 hein, si vous êtes trop de retard sur le stream. Alors, j'ai un oui magicien. Le magicien d'Oz. Lolo, il veut pas voir. Il veut la surprise. Surprise, surprise. Luigi, Red, les ninjas. On regarde ou on regarde pas? Et il y a deux cartes, la force et le magicien. Deux oui et un non. Prenez-en une. Faites le bon choix. Alors, j'ai le magicien pour briser ça. Sinon, nous avons aussi la force. Le magicien, la force. Le magicien, c'est la carte numéro 1. La force, c'est la numéro 11. Il y a des corbeaux à chaque fois. J'ai deux votes magicien. On l'avait déjà vu celle-là. À nouveau, nous nous disons au revoir. Un dernier conseil. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veille sur vous. Elle a loupé le loup, Red. On n'a pas choisi le loup. J'aime le. Lep. Chapitre 5. Silence, radio. Bah, tu m'étonnes si t'es pas très bien, faut qu'il surveille si tu vas bien. Si y a pas besoin de t'emmener d'urgence à l'hosto. Coucou, quoi. J'ai rien pu trouver à manger. Surtout si ça fait 39 de fièvre. Vide. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Je t'ai pris ça. C'était... Merde, je sais même pas ce qui s'est passé, tout était flou. Comment tu te sens? Ça va, je m'en remettrai. Grâce à toi. Non, non, j'ai juste essayé de t'aider. C'est Kathleen et Ryan qui ont tout fait. T'es avec moi. Ça m'aide. Ok, je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Et c'est quoi ce... Ils en ont trouvé un autre dans le bureau de Monsieur H. C'est juste au cas où. Il s'est passé quoi avec les lampes? J'en sais rien. Ça va mieux? Je vais bien. Je crois. Attends, ils vont au local radio? La ligne est coupée. Je crois qu'ils vont essayer d'envoyer un SOS. En attendant, on reste là. Il y a quelque chose sur le toit. Je croyais que Dylan et Ryan étaient déjà sortis. Restez là, je vais voir. On sait pas ce qu'il y a dehors. C'est peut-être dangereux. Ouais, c'est pour ça que je vais aller voir. Ouais, si c'est une indigestion, c'est peut-être passé, hein. C'est 2-3 jours l'indigestion. Enfin, c'était été ou enfin intoxication alimentaire, tout ça. 22h30, Kathleen. Donc peut-être que c'est déjà en train de s'améliorer. Si c'est ça, ça passe assez vite. C'est juste chiant sur le moment, quoi.
Mais c'est peut-être au fast-food à ton anniversaire, hein. Peu importe le fast-food ou les restos, tu sais, des fois... Ouais, et puis boire beaucoup d'eau pour que bah, ton corps élimine plus vite peut-être les... Je sais pas s'il y a des trucs conseillés pour éliminer plus vite les mauvaises toxines. Moi, c'est ma migraine qui revient depuis ce matin. C'est trop chiant. Donc, je sens que demain, je vais être couché toute la journée. Ouais, déjà, des fois là, je me dis, ce serait peut-être mieux d'être vu, mais... Des fois, il vaut mieux se faire voir, en fait. Des fois, c'est une bonne chose à faire. Mais difficile. Et par réflexe, ça a tendance à te cacher. Ah oui, ça y a une amélioration, mais c'est juste qu'il y a la chaleur aussi qui me rend malade. Et puis les migraines, moi, c'est chronique. C'est souvent c'est quand je me relâche en fait. Quand je me détends, j'ai une migraine. En fait moi il faut que je sois constamment en train de faire quelque chose ou. Ou être sous pression, tout ça. Sinon dès que je me décontracte et que je me relâche, je me repose, j'ai une migraine. Ouais, la chaleur ça aide pas quand t'as des migraines. Ça pour ça, hein. Elle aurait pu rester en bas. Merde. À 2h36. Écoute, tu sais. Ah, c'est pour ça que peut-être que garder le flingue, ça aurait peut-être été mieux. C'est juste que, tu sais, je pensais au début de l'été, quand on s'est rencontrés, au début de la colo. Mais maintenant que l'été est fini, je me demande si c'est la dernière fois qu'on se verra. Désolé, Nick, qu'est-ce que tu disais ? Après le fait qu'il prenne l'arme, il l'attrape pas elle, donc peut-être que c'est mieux. Hé, hey, t'en fais pas pour Kathleen, elle est solide. Je sais. Je suis désolée, Nick. J'ai la tête ailleurs. Essayons de passer la nuit, ok? Ouais, c'est compliqué, hein, les choix. J'ai peut-être mal compris les signaux tout à l'heure, mais... J'ai eu l'impression qu'il allait se passer un truc. Et tu voulais qu'il se passe un truc entre nous? T'es conne ou quoi? Hé hey. Désolé. Ce que je veux dire... bien sûr que je voulais, mais je savais pas si toi aussi. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Tu voulais qu'il se passe un truc? Tu peux me le dire? Ouais, je crois. Tu dis ça parce que je suis blessé. Nick. Mais qu'est-ce qui se passe avec Kathleen? Faut qu'on se cache. Faut qu'on se cache. C'est bon, ça va aller. Ah.
Oh mon dieu! Il s'est passé quoi? Merde, il est où le fusil? Il faut qu'on se tire! Non, faut qu'on se cache! Qu'est-ce que j'avais fait? Vite! Je sais plus. Parce que courir, ça fait du bruit et le temps qui court, je sais pas si. T'es caché aussi. Dans la mémoire de Lizzy. Alors, 22h24, Dylan. Du matin. Oh ouais, en fait, c'était même une vraie station de radio avant. Enfin, je veux dire, c'est toujours le cas techniquement, mais plus personne apporte sa radio au camp de nos jours. Ouais. C'est bizarre en fait de se dire qu'avant, il y avait des gamins avec leur radio et leur lecteur CD et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on a tout sur le portable. Mais Monsieur Hackett le confisque le premier jour de la colo pour qu'on soit pas distrait par la technologie. La technologie, elle a des bons et des mauvais côtés. Alors c'est un truc que t'aurais vraiment envie de faire? La radio, la colo? Non, genre le DJ, la musique, je sais pas. Oh, j'aime bien la musique, mais je crois que je veux étudier la physique quantique. Ouais, je me souviens de lui. Faut pas que j'énerve la bestiole. Ouais. T'as pas vraiment une tête de fan de science. Ah ouais, c'est sûr, pas ici. Ça n'a rien pu dire quand j'ai arrêté de regarder le jeu de puzzle hier. Ah! T'as pas tout vu hier? Je suis désolé, mais cette conversation me fascine complètement. Comment ça, pas ici? Pas ici, au... quand? Si vous voulez suivre l'histoire. Chez moi. Et ici, je... Tu joues au con et tu fais des blagues pourries. Je l'aurais pas dit comme ça, mais... Ah! Ok, bon, peut-être que j'étais un peu stressé quand je suis arrivé dans ce nouveau contexte social. Et j'ai compensé un petit peu en faisant des blagues et... Tu t'es pris au jeu. Ouais, et puis tout le monde a apprécié le personnage de Dylan le Blasé. Et toi, tu l'aimes bien, Dylan le Blasé, franchement? Ouais, enfin, je sais pas trop, mec. C'est cool, ça me va. J'aime bien Dylan. Bon, enchanté de te connaître, Dylan. Moi, c'est Ryan. En fait, c'est plutôt Ryan, foutons le camp d'ici. Ouais, je l'aime bien celui-là, on sent qu'il réfléchit. Il y a juste eu un cri de loup, mais ils ont rien entendu, ces crétins. Je sais pas si je peux trouver un truc avec eux. Je sais où est la station de radio, mais... Ah, ça y était pas tout à l'heure, si. Ah non, on l'avait pas trouvé. Voilà pourquoi l'infirmière est partie plus tôt. On l'avait trouvé dans la partie avec... Mais là, on l'avait pas trouvé avec la nana. Voilà, on le voit bien. Ah, par contre, il va y avoir un problème. Les autres, ils peuvent pas se cacher dans la baraque, vu qu'ils... Vu qu'on n'a pas pété la baraque...
Ah non, le truc de radio, il est là. Comment ils vont faire, les filles ? Ils se cachent là les autres du coup pendant la station de radio, mais là on l'a pas pété au début du jeu. Ours, où es-tu? Que fais-tu, chapeau pointu? Il va nous bouffer tout cru. Ah. Ah. On a des marques de griffes. Il y a 5 griffes. Les ours, ils ont combien de griffes? L'ermite. Quatre. C'est bon? Voilà, donc c'est pas un ours. Voilà. C'est bon. Je sais pas combien de griffes un ours. Comme ça, de tête, je saurais pas dire. 22h39, Ryan. Mais j'aimerais bien un petit couple. Ils sont trop chou. Oh, c'est vraiment un taudis, ce truc, hein. Bonjour, Luna. Ok. Quand j'étais gamin en colo, c'était presque HS. Ça avait pas servi depuis des années. Et permets-moi de te dire que j'ai passé un temps fou à tout nettoyer dans le local et... à tout cinq. Remettre en état, ah merde, alors ça peut être un ours. Je suis désolé si c'est pas à ton goût. Coucou Horace, coucou Généon. Je me suis vraiment donné du mal. Ok, ok. Je vais allumer ça. Ok. Un de ces trucs pourrait nous être utile. C'est les félins ou c'est trois, c'est ça hein? Non. C'est Monsieur H qui voulait un espace de stockage, alors... c'est un peu pour ça qu'il m'a laissé... gérer la station. Ok. Alors, ça porte jusqu'où? Oh, elle a été conçue juste pour diffuser des annonces sur la sono du camp et aussi, tu sais, sur les radios des moniteurs et des gamins. Ça doit porter à environ... 2 km? Ouais, ça va, Horace? Comment tu sais tous ces trucs? J'ai appris tout seul, en bidouillant. Tous ces trucs techniques, ça a jamais été mon rayon. J'y connais rien dans le domaine. Ben, si tu veux, je peux t'expliquer un peu. Me donner un cours? Ouais, c'est facile, comme l'escalade. Alors ça marche, prof. En tout cas, ce truc va avoir besoin d'un petit coup de jus. Et c'est à ça que sert ce machin-là. Ouf. Attrape poussière. Bah, c'est censé amplifier le signal. Il a l'air un peu merdique, je sais, mais... ça vaut le coup d'essayer. Alors, on va pouvoir parler aux gens avec ce truc? Ouais, enfin, c'est pas bidirectionnel. Donc, en fait, ouais, on peut parler. Mais tout ce qu'on peut faire après, c'est... passer en réception pour voir si quelqu'un essaie de nous envoyer une réponse. C'est peu probable, mais... ouais, enfin, c'est déjà ça, je suppose. Ouais. On va tous mourir. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas. Faut que ça... ah oui, son message était trop merdique. Salut. Alors, comment ça va chez vous? Ici, on a besoin d'aide. On est des moniteurs du camp de vacances de Hackett's Quarry. Et il y a eu un accident horrible, une attaque terrible. Il se passe des trucs très 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 graves. Non, vraiment, hein. On a besoin d'aide. Il y a un essaim d'ours et ils sont vraiment partout. Un essaim d'ours. Il y a aussi des chasseurs cinglés qui tirent apparemment sur les ours, mais aussi sur nous, ce qui est pas très normal. Et on a des copains blessés et on a vraiment besoin d'aide parce que c'est des ours super méchants et du coup on sait pas trop quoi faire. Alors s'il vous plaît, venez nous aider. Elle est dans sa maison. Ceci est une urgence particulièrement urgente. Alors venez vite et aidez-nous.
C'était bien ou pas? Un essaim d'ours. Ouais. C'est pas un essaim. Ben, ils étaient plusieurs, mais... Oh, j'hallucine. Ok, bon, ben, on va essayer de passer en mode réception pour voir si on capte un message. Ouais, ok, je vais surveiller un peu pendant que tu fais tes trucs de geek. Ok, ouais, d'accord. Il faut commencer par « Bonjour, ceci est un SOS, nous avons des blessés, ours plus chasseur. » Ça aurait déjà été plus... Oh merde. Viens voir. J'ai reçu un signal radio, mais pas de réponse. Je vais aller voir. Quoi? Il a parlé du chalet? Je sais pas, attends. Deux hommes dans le local radio près des cabanons. Deux autres personnes pour l'instant introuvables. Là aussi, terminé. Terminé. Rassurant. Préoccupé, il parle de nous. Putain, il parle de nous. Merde, merde, c'est quoi ce délire, putain? Mais que comment? Parce qu'on vient de leur dire! Sur cette putain de radio! Merde! Ne paniquons pas! Ne paniquons pas! Ils savent où on est, putain! Ouais, mais... T'inquiète pas, il y a un loup d'or. Merde! Ouais, ça, mais... Faut qu'on reste calme, ok? On va aller chercher Kathleen et les autres, d'accord? D'accord, ouais. D'accord. Non, sors pas. Il l'a vu à la fenêtre. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait quelque chose dehors? J'étais pas sûr, mec. Merde, c'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Il va se pisser dessus. Vous voulez pas barricader la porte? Ryan? C'est un ours. C'est un ours. Putain. Si un jour on joue à Beer and Breakfast, on va repenser aux ours. On va pas tirer dessus cette fois, la dernière fois ça l'a énervé. C'était quoi? C'est quoi? C'est comme ça que l'autre il a perdu sa main sur la quoi? Première partie. Kathleen, Abby et Nick, ils arrivent sur le chemin. Oh merde. Ils viennent vers nous, il faut qu'on les prévienne. Avec la sono. Là-haut? Ouais, ok. Ouais, on peut leur dire de se cacher. Ouais. Tiens le bouton. Kathleen, planquez-vous tout de suite, ne venez pas ici. Il y a une bête vers le local radio, rentrez. Je allez dans un cabanon, allez. Non, pas celui-là, il est fermé. Oh merde, putain. Ils sont partis. Ah, quoique, elle a peut-être les clés. Peut-être que lui, il y avait passé les clés. Ah non. Faut qu'on fasse quelque chose, allez. Donc on le tue. Ok, on peut vraiment rien faire. J'en sais rien. C'est juste un animal, hein? On peut peut-être le faire fuir. Bah ouais, enfin, si il entend exactement comme un chien, peut-être qu'on peut jouer un son de l'arsène super aigu dans la sono et le mettre à fond. Et ça va nous défoncer les oreilles. Mais... Vas-y. Ok. C'est parti, mon kiki. Tu l'as fait déjà le jeu, Ross, tu découvres. Ok. Allez, Dylan, c'est parti. Allez.
Hé, hey, Dylan, respire. Détends-toi, je suis sûr que tu peux y arriver. Ok, bon. Ouais. Je sais pas, il doit manquer quelque chose, mais... Il manque quoi ? Elles ont quand même réussi. Oh merde, il attaque les cabanons. Bah non, c'est dans la deuxième partie, donc il y a des choses qu'on sait, mais il y a des choses on a bien foiré. Il a débranché le fil. Ok, remets-le, je te couvre. Donc on fait quand même des choix différents, mais il y en a certains qu'on essaie de refaire les mêmes. Ah, si on se souvient. Oh, il sort, lui. Hé, hey, connard ! C'est pas une bonne idée, ça. Les tirer, mais ça on n'a pas eu du tout la dernière fois. Par contre, on n'a pas eu Dylan qui est blessé, on n'a pas dû lui tronçonner la main. C'est déjà mieux. On peut sortir. Non, non, on est dehors comme ça, parce qu'on a envie. Je crois que c'est bon pour l'instant. On est tombé sur un de ces chasseurs. Ah, merde. On peut sortir, mais on est déjà dehors. Je crois qu'on l'a semé en venant ici. Le message est parti. Ouais, je crois. Super. Seigneur, on peut faire un peu de balance. Qu'est-ce qui vient de se passer là-haut? Il nous a attaqué. Non, d'une chiotte, vous auriez dû voir ça. Dylan a diffusé un Larsen super puissant et ça l'a fait fuir. Bah, c'était rien. Un Larsen ? Bah, j'ai pensé que s'il était comme la plupart des animaux, alors il aurait les oreilles sensibles, donc... Kathleen, il est où ton fusil ? Je l'ai perdu. Un des gars du coin est passé nous voir. Putain, quoi ? Elle nous a tiré dessus ? Qui est là ? C'était qui ? Est-ce qu'on la suit ? Moi, je propose de se barrer, hein. Et merde, c'est quoi ça ? Oh mon Dieu ! Et voilà. RIP. Ça, c'est les personnages secondaires, mais je crois pas qu'on puisse forcément les sauver. J'avoue que je sais pas si dans sauver tout le monde, ils entendent dans le succès, ils entendent de sauver les personnages principaux ou les secondaires aussi. Oh, c'est vous. Apparemment, il y a une vermine de moins dans le monde. Est-ce qu'on regarde la carte Regardons ou pas? Encore une fois. Non, ils servent pas à rien, nous ils font partie là. L'ermite. Avec l'ermite, ils ont vraiment l'isolement, la solitude. Je crois que c'est la fille de H de la quête là. Aussi.
Peut-être qu'en analysant les faits, l'ermite qui poursuit réussira à vous mettre à l'abri. Sur notre première partie, on avait écouté la discussion téléphonique et son frère l'a appelé pour dire que sa fille elle avait disparu, il savait pas où elle était. Et elle allait bientôt avoir la pleine lune. Je veux vous montrer davantage. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, Lolo ne veut pas regarder, Luzi veut regarder. Est-ce qu'on regarde ou pas? On a trouvé qu'une carte, là. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des cartes que j'ai trouvées sur la première partie, mais que j'ai pas trouvées là. Oui, aussi pour ouvrir que ça. Ah oui, le piège à ours. Je crois que j'avais pas su l'éviter. Nous passons tellement de temps à. Nous, on les voyait, mais pas vu. Que nous en oublions que le passé recèle aussi des secrets. C'est une leçon importante. Ainsi donc, nous nous quittons à nouveau. Je reste ici. Je vous attendrai. À 2h30, Jacob, chapitre 6, prière du soir. Du coup, vous savez ce que ça veut dire, chapitre 6. Emma ! Putain, c'est pas vrai. Ça sera pour la semaine prochaine. Oh, merde. Ah, merde. Merde. Jacob. Emma, c'est toi ? Il va retourner, il y a le loup. Elle, elle s'est barrée et nous, on est là. Il a quand même pris cher au dos. Hein. Il a quand même pris cher. Alors, allons au menu principal, du coup. Il me semble que ça sauvegarde automatiquement. Ouais. J'espère. Du coup, j'espère que ça vous a plu, la nouvelle, le début de nouvelle partie. Mais je trouve que c'est mieux de faire en 2 et 5 chapitres à la fois. Enfin, 6, parce qu'il y a le prologue, puis l'épilogue la prochaine fois. Donc, en vrai, ça fait 6, on va dire, chapitres. Mais ça fait à peu près 5 heures, donc à peu près 10 heures de jeu pour une partie. Comme la première fois. Après, si vous voulez le 100%, il faut avoir un guide pour les objets quand même et les cartes. Mais j'ai commencé un peu, comme je l'ai dit, à faire planning la semaine prochaine, donc je le mettrai sûrement demain ou ce soir sur Discord, mais je pense plutôt demain. Mais en début de stream, il y aura V-Rising et Campus Point Campus. Dimanche prochain, il y aura aussi Shaki Horror Show à 14-15h aussi, pareil. Et le matin, bah, je commencerai à 6-7h. En deuxième partie du stream, alors, il y aura sûrement Shaki Licorne en emote, ce sera Stropole en fait. Ou alors, à moins que je mette une icône Stropole, je vais voir si... Et là, il y aura du choix en Stropole parce que du coup, comme Mimi m'a offert deux jeux, là, bah, c'était quand c'était hier ou avant-hier, non, c'était hier. Il y aura le choix. Il y a un jeu qu'on n'a pas encore commencé. Il y aura Lost in Play qu'on peut continuer. Donc pensez à regarder la rediff pour le début de l'histoire. Il y aura Elden Ring la suite aussi. Et je pense déjà ces trois jeux-là, ça fait pas mal. Après, j'y joue un peu hors stream à tout point, mais je fais pas les trucs qu'on n'a pas fait. Hein. Je retourne juste sur les anciens... Les anciens campus pour débloquer un peu de succès. Et en fin de stream, la semaine prochaine, il y aura pas mal de Blood Hunt et un petit peu de SAR. Donc pensez à télécharger le jeu si vous voulez jouer avec moi. Ils sont free to play les deux. Donc, puis c'est du Battle Royale, mais il y a aussi sur chacun des jeux un autre mode de jeu. Donc si vous aimez pas le BR, on peut faire l'autre mode de jeu aussi.
A savoir par contre que Blue Dent maintenant n'a plus de trio, hein, c'est que duo. Hein. On joue à 2 max. Il n'y avait pas assez de joueurs, donc ils ont dû enlever le trio. Mais là, j'ai quand même fait deux succès. J'ai pris le chemin le plus rapide jusqu'à Nyx sans rater. Et réactivité, vous avez activé 15 interruptions. Ah. Ok, je vois ce que c'est. C'est les petits messages rapides. Et merci Pew pour le follow, bienvenue à toi. Et voilà, je pense que je vais faire ça pour la semaine prochaine. Ça fait un bon programme. Hein. Ouais, j'ai sauvé Emma parce que la dernière fois on avait fait exprès de la faire crever. On l'aime pas. Voilà, bon, elle a pas totalement un mauvais fond, mais c'est juste son comportement avec Jacob qui est vraiment horrible. Et ouais, on a sauvé la main de Dylan. Mais c'est fou la différence quand même des choix. Et la voiture, on l'a fait cramer cette fois-ci, ouais. C'est vrai. Bon, après, le truc, tu le perds dans l'eau normalement, donc bon. Puis on a découvert le mode noir et blanc aussi, ça change un peu. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus sombre par contre, le graphisme classique. Donc peut-être que pour votre première partie, je conseille pas le classique. Nous, c'est la deuxième, donc ça va. Mais comme du coup, on voit pas vraiment le sang, que c'est plus sombre, pour la première partie, je conseille pas le classique. Ouais, ça fait quand même pas mal de changements. Mais en tout cas, merci énormément à ceux qui ont été là aujourd'hui, parce que c'était pas très nombreux. Bon, bah, The Quarry, ça... C'est déjà passé pour la hype, hein. Donc merci énormément à ceux qui sont là avec moi, ça fait plaisir. Et je vous retrouve mardi 6-7h et encore merci énormément pour les subs, les follow, tout ça. Et la suite des bonbons, bah dimanche prochain. Hein. Pardon, ça faisait longtemps. Et Luna est encore en train de dormir dans sa petite maison. Je sais pas si vous voyez, mais elle a une petite cabane, il y a un chat noir qui dort. C'est rare qu'elle y aille quand je suis en stream, donc merci. J'espère que tu vas te remettre, Red. J'espère que tu vas bien te remettre. Et coucou, Céline, je t'avais pas vu. En ninja. Du coup, bah, moi, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne fin de week-end. C'est vrai qu'on est dimanche soir. Après, c'est les vacances pour pas mal de gens, mais pour ceux qui bossent, courage demain. Courage. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mardi 6-7h pour du V-Rising mardi matin. Des bisous.